Good morgen, allez, Yidden Nisus, aujourd'hui le lundi matin, Mordechai ben Yitzhak Befani, Dvora bat Esther et David ben Fortuna Mazal Fritna. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Ktuvot, Perek Bet, Mishnah Yud. Ve'ilu Nemanim Lehaid Begodlan, Mashera ou Bekotnan. Neman Adam Lomar, Zektav Yado Shelaba. Zektav Yado Shel Rabbi, Zektav Yado Shel Achim. Zachur haiti beplonit shiatzta veinu maverosh haparuwa. Veshaya ishploni yotze mi bet hasefer litvol veleichol mitruma. Veshaya cholek imanu al agoren. Vamakom hazeh bet haparas. Vead kan haynu ba'in beshabbat. Aval ein adam neeman lomar. Derech haya leploni bemakom hazeh. Ma'amad haya. Mahamad ou Misped Haya Leploni Bamakom Aze. Donc je commence à traduire directement. Ve'elu Nemanim Lehaid Begodlan. Voici ceux qui sont crus, crédibles, à témoigner, une fois qu'ils sont devenus adultes, Mashera ou Bekotnan. Ce qu'ils ont vu quand ils étaient petits. C'est un petit peu en rapport avec la Mishnah précédente. Dans la mesure où dans la Mishnah précédente, on évoquait qu'il y avait même un esclave qui était cru. Témoigner pour une femme qui n'a pas été abusée lorsqu'il y a eu des gens qui ont conquis la ville, qui ont envahi la ville. Eh bien, alors la Mishnah me dit Velo Nemanim Lehaid Begodlan, qui a aussi des. Sache que, à part ça, de manière générale, un enfant, il ne peut pas témoigner, parce qu'il est inapte. En théorie, lorsqu'il grandit, il est devenu adulte, il ne peut pas témoigner lorsqu'il est devenu adulte sur ce qu'il a vu quand il était petit. Parce que quand il était petit, il n'était pas apte à être un témoin, dans la mesure où on craint que le petit. Il invente un petit peu des histoires, il déforme, il ne vérifie pas, il n'a pas toute sa conscience. Il fait beaucoup de films, c'est fréquent avec l'amnésie infantile et toutes sortes de choses. Il se fait une image des choses, mais qui n'est pas exacte. Donc on ne peut plus le croire. Même quand on est devenu adulte, on ne peut pas le croire. Mais il y a quelques exceptions à la règle, en l'occurrence. Tout d'abord, Neeman Adam Lomar Zektaviado Shalaba. Un homme peut dire ça, c'est l'écriture de mon père. D'accord? Il veut témoigner que c'est l'écriture de son père et on va le croire. Ou encore, Vezektaviado Shel Rabbi, c'est l'écriture de mon maître. Je la reconnais. C'est vrai que mon maître, je l'ai quitté depuis que j'avais 11 ans, 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, 28 ans. Eh bien, je témoigne que malgré tout, je reconnais son écriture, il n'y a pas de doute, on le croit. D'accord? Aussi, et donc on va pouvoir être Mekayem le Shtar grâce à ça. Vezektaviado Shel Achi, et c'est aussi l'écriture de mon frère. Lorsqu'on était petit, il écrivait comme ça, on a grandi, on s'est un peu séparés, chacun est parti dans un pays différent. Mais je reconnais que c'est l'écriture de son frère, et dans ce cas-là, on va pouvoir se fonder sur son témoignage pour valider une signature de son père, ou de son frère, ou de son rave. La raison de ça, en réalité, c'est comme ça, je vous le dis vite fait, c'est que pour tout ce qui est min ha-Torah, tout ce qui est selon la Torah, le témoignage de la Torah, un enfant n'est pas cru, dans ce cas-là, même lorsqu'il est devenu adulte, il n'est pas cru. Il ne peut pas témoigner quand il est devenu adulte, qu'il y a 3 semaines, quand j'étais encore un enfant, j'avais vu qu'on a bien fait la shrita à tel animal, donc on peut manger sa viande. Non, t'es pas cru. T'étais petit, tu savais pas bien voir. Donc on va pas te croire. Eh bien, pour ces choses-là, on y croit, parce qu'en fait, c'est que Midera Banane. Parce que tous les Kiyum Shtarot, on l'avait déjà évoqué, le fait d'avoir certifié et validé un shtar, c'est un din qui est Midera Banane, donc on va croire, pour un rabanan, on va croire l'enfant. De même, Zachur Haiti Beplonit Shasta Beinuma Verosha Parua. Je me souviens que telle femme, elle est sortie avec le voile sur le visage, Verosha Parua, et ses cheveux étaient lâchés, ouverts, ils n'étaient pas couverts. C'était comme ça, ouais, si vous vous rappelez, le début du Perek Bet, on avait commencé justement sur ça. On ferme une boucle, d'ailleurs, dans un chapitre là maintenant. C'est qu'en fait, quand il y a un quiproquo entre le mari qui veut divorcer sa femme et la femme, est-ce qu'elle s'est mariée quand elle était une jeune fille ou une veuve, et donc sa ketouba était 200 ou 100, eh bien, dans ce cas-là, le mien envisage que même un enfant qui nous raconte, je me rappelle, j'étais petit, et elle était là avec son voile et avec ses cheveux. Ah, elle avait les cheveux lâchés, elle avait le voile, parce que c'était une femme WW, d'accord? C'était pas une deuxième main. Veshaya ish ploni yotsem, il va te aussi, il peut témoigner aussi le petit, quand il est devenu adulte, que Shaya ish ploni, que telle personne, Aya yotsem, il bête à sefer. Et je me souviens que le.
Tous les lundis et les mardis, il sortait de l'école, du Heider, du Talmud Torah, Litbol, pour partir se tremper au Mikvé. Mais les Cholbitrouma, pour pouvoir manger de la Trouma. C'est-à-dire que nous, on rentrait à la maison après le Talmud Torah, et lui faisait un tour au Mikvé pour se tremper, parce que lui, il appartenait en fait à une famille de Kohanim, il fallait se tremper pour s'assurer qu'il n'avait pas été impur dans la journée, peut-être qu'il avait touché un reptile, peut-être qu'il avait touché un rat mort, une souris, ou toutes sortes de choses qui peuvent rendre impur. Donc il fallait se tremper et attendre que le soleil se couche. Et en fait, moi je raconte que quand j'étais petit, j'avais un ami, Réhouven, là lui, il partait toujours. Au retour, il partait au Mikvé, se tremper pour pouvoir partir, venir manger, aller manger chez lui à la maison. Et grâce à ça, on va dire, ah, si tu as un tel souvenir, qui à l'époque, il se trempe au Mikvé, ça signifie que c'est un Kohen. Et si c'est un Kohen, on va pouvoir lui donner la Trouma. Donc on va le prétendre, présumer Cohen, grâce à ton témoignage. Mais que pour le donner une trauma, que Midrabanan, d'accord? Pas Midorita. Mais Shaya Cholek Emmanuel Agorem, ou encore un autre, un Cohen qui nous dit, hey, moi je me rappelle quand j'étais petit, moi j'étais Cohen, on sait bien que moi je suis Cohen, parce que mon père est Cohen, mon grand-père était Cohen. Mais je me rappelle que lui, toujours quand on partait à la grange là-bas pour que nos papas, ils attendaient qu'on leur donne la ration de trauma. Eh bien, je me souviens qu'on était dehors, on faisait les fous ensemble jusqu'à ce que nos pères sortaient. Donc, tu es en train de nous raconter que lui aussi, il était Cohen comme toi. Eh bien, il est cru. Ve'amakomaze betapras aussi peut témoigner sur tel endroit que c'est un betapras. Un betapras, c'est une question de Touma, c'est un peu compliqué à expliquer ça en vite fait. C'est qu'en fait, on craint qu'il y ait eu un cercueil qui était initialement un homme qui était enterré ici, et qu'en le labourant, on a déplacé les os. En tout cas, ouais, ça s'appelle un betapras, on ne va pas entrer dans les détails. Mais je peux témoigner moi lorsque j'étais grand que là-bas il y avait le Betapras, et ici c'est pas le Betapras, on a besoin de savoir quel endroit. C'est vrai que c'est compliqué pour les Kohanim de pouvoir marcher n'importe où, c'est très complexe. J'ai des amis Kohen qui ne savent même presque pas c'est quoi la ville de Tveria, ils vont presque jamais à Tveria, parce que Tveria, c'est sûr que c'était un grand. Lorsqu'on marche, probablement il y avait des morts en dessous. Donc du coup, ils peuvent plus rentrer dans. Ils rentrent dans. Il y a quelques endroits où ils peuvent aller, mais dès qu'on commence à monter en direction de Rabbi Akiva et tout ça, c'est toute une histoire. Ils ont des chemins spéciaux qu'il y a à emprunter lorsqu'ils veulent y aller. D'accord? Tout ça, c'est en rapport avec le fait qu'on a peut-être perdu un mort, peut-être qu'il y a eu un mort en dessous. Et un Kohen, il ne peut pas passer au-dessus d'un kever. Et donc, sans ça, en fait, un betapras, c'est un endroit où on a un doute qu'on ait capté des os de morts qui sont restés là-bas. Et là, la Mishnah nous dit, je me souviens que quand on était petit, on passait là-bas et on passait pas ici, parce qu'ici, c'était un betapras et là-bas, c'était pas un betapras. Et on le croit. Ou encore, ils peuvent même nous raconter aussi jusqu'à tel endroit on partait à Shabbat, même si aujourd'hui, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de sortir au-delà de 2000 amas en dehors de la ville. Le Troum, ça s'appelle le Troum de Shabbat. Et maintenant, s'il y avait une maison, mais qu'elle a été un peu délaissée, la maison a été détruite, on retient le Troum selon les mesures de l'époque. Et alors, un enfant, il pourra nous raconter, en fait, un adulte, il pourra nous raconter que lorsqu'il était enfant, il se souvient qu'on partait tous le Shabbat, on partait se promener jusqu'à là-bas, tel figuier, on partait là-bas et on n'avait pas de problème. Donc, il témoigne qu'il y avait un trouble de Shabbat. Tout ça, pour tout ça, il est cru. Aval, en Adam Neyman Lomar, un homme n'est pas cru pour, lorsqu'il est devenu adulte, pour témoigner sur ce qu'il a vu quand il était petit, que Derech Haya Leploni Bemakomazé, il ne peut pas nous dire que, ah, dans ce champ-là, il y avait Reuven, le voisin là-bas, il traversait constamment le champ, donc il était propriétaire, il avait acheté un droit de passage dans le terrain. Il n'est pas cru parce que ça touche au milieu de l'État. Ou bien, Mahamad Oumisped Haya Leploni Bemakomazé, que sur telle place là-bas, le voisin là-bas, un autre voisin, il avait l'habitude toujours de venir lorsqu'il avait besoin de faire un Mahamad ou Misped, c'est des choses qu'on fait par rapport aux morts, ouais, faire un Misped d'une raison funèbre, eh bien il venait toujours à cet endroit-là. Donc en théorie, ça devrait lui appartenir, malgré tout ça touche à Deoraita, et le petit n'est pas cru. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Sala.